Aujourd'hui, je deviens policier et je dois m'assurer qu'aucun trafiquant ne rentre dans le pays. Croyez-moi que je retourne tous leurs véhicules, mais je fais surtout n'importe quoi. C'est Chao ! Il est fou, lui ! Le jeu est incroyable et rejoignez-moi sur Twitch. Bienvenue aujourd'hui sur nos lives Contrebande Police ! Le jeu où on arrête les méchants garçons qui ont de la drogue, parce que la drogue, c'est mal. Et surtout parce que j'adore les tuer en toute légalité quand ils ont de la drogue. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Oh, c'est quoi, ça ? Oh, je viens de crier suivant. Suivant ! Allez, on avance! Avec ton gros camion là! Salut, ça va ou quoi, mon copain? Descends. Ouais, donne-moi tes petits papiers, frérot. Alors, Arthur! Ça correspond plutôt bien. Pour l'instant, Arthur, j'ai envie d'être copain avec vous. Mais faites attention, parce que si vous cachez autant de secrets, la taille de vos lunettes, pas dans la merde. Une vache! Je vais aller de la vache et on va la déballer. Tu vas te calmer tout de suite, par contre. La vache, c'est bon, c'est l'air d'être une vraie vache. Allez, champion, débarrasse le plancher. Je pense que tout est en règle, tu peux repartir. Par contre, fais attention. Si je découvre que tu m'as baisé la gueule, ça va mal se passer. Plus vite que ça, frérot, plus vite. Il est lent, le mec. Ok, c'est bon, c'est valide. J'ai pas un véhicule, moi. Eh, t'as une caisse ou pas, toi? Tom Holland, tu vas me prêter une caisse ou pas? Véhicule. Ah ouais, faut que j'en achète un, les bâtards. Allez, suivant. On s'arrête. Attendez deux petites secondes. Vous avez un véhicule vert, monsieur? En plus qu'il soit absolument dégueulasse, on recherche un véhicule vert. Sortez de là. Votre véhicule a quoi? 4 roues. Comme par hasard, monsieur. Ça se passera pas comme ça. Mais je ferai tout pour pas que ça corresponde. Vous avez une vache? D'accord, ça marche, la valide. On va la déballer, monsieur. Bon, Michel, on va partir du principe qu'il y a de la drogue dedans. Monsieur, suivez-moi en prison. On va partir du principe qu'il y a de la drogue dedans. Hop là, arrestation correcte, crime arrêté. Et voilà, Michel, je t'avais dit quoi? Ouais, c'est bon, ça a marché. J'ai 60 000 balles. Oh, pour acheter les outils, c'est bon. Ah, il est où? Ah, il est là. Salut, mon copain. Alors, j'aimerais un pied de biche, un couteau. Je sais pas ce que c'est, mais j'en prends deux. Des couteaux, j'en prends deux. Des pieds de biche, j'en prends deux. Deux pelles, deux fourches. Au niveau des armes, comme ça. Ça, c'est indispensable, hein. On a de quoi faire. Parfait. Au revoir. J'ai foutu ça dans la réserve. Ah merde, dans la réserve, il y avait des trucs. Oh, l'imbécile de service. Ok. Alors là, on va s'amuser. Oh, suivant. Attention. Test de réflexe. Oh la polololololo. Mais il est complètement malade, ce type. Allez, tu sors direct. Allez, tu sors direct, frère. T'as failli m'écraser. Hop là. Hop, Normandie là. Ça, c'est pour m'avoir écrasé. Petit papier du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Bon, très bien. Ah oui, rapport d'inspection. Donc, ah, monsieur, je vois que vous avez un pneu crevé, par contre, hein. Je suis obligé de le signaler, pneu crevé. Bon, le moteur, bon, a l'air plutôt réglo. Je fais mon travail, monsieur, par contre. Ça m'a l'air plutôt réglo, tout ça. On regarde les pneus. On regarde vous. Montrez votre cul, monsieur. Ok, c'est bon, il a pas dans son cul. C'est jamais, hein. Des poules, pas de soucis. Avec tes grosses lunettes, là, tu vois, à travers les murs. On va ouvrir ça, déjà. Ok, là, y a rien. Mais elle a l'air très suspecte, cette poule. Parce que regardez, si je fais ça. Là, but poule. Que si je fais ça, là, munition. Alors là. Hop, par contre, je te crève quelques pneus quand même, hein. Ça c'est gratuit. Non mais au final, les gars, au final c'était une fausse alerte. C'était des fausses munitions. Ils faisaient un tournage pour YouTube. A plus, mon champion. C'est parti, on va dormir dans notre KGB de merde là. Notre KG merde. Nouvelle journée. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Véhicule noir. Ok les gars, s'il y a un véhicule noir, faut qu'on s'en méfie. Qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est pas un véhicule noir quand même. Mais je le sens pas, les gars. Je vous le dis, je le sens pas. Faites entrer l'accusé. Le mec s'est trompé d'émission. Allez, avance. Quoi, la vitre elle est cassée? Tu t'es battu avant? Donne-moi tes papiers. Déjà, qu'est-ce qu'on se contacte? Vite brisé. Ça, je vais le mettre directement. On va vérifier vos correspondances, monsieur. Ça correspond. Très bien. Qu'est-ce que vous transportez? 7 bagages de ciment. C'est louche. Et si on construit en argile? Je vérifie vos bagages. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, bidon d'alcool. Ça, j'ai pas à le déclarer, ça. Y'a rien, chef. Comment ce soir, je vais me mettre bien. Oh, il y en a tellement. Eh, hey, monsieur, t'as de l'alcool ou pas encore? Hey, il a vraiment un mauvais regard. Je vais vous laisser en vie parce que je suis gentil, mais normalement, les gens comme vous, je les tue. Vous en avez vraiment de la chance, monsieur. Qu'est-ce que vous en avez de la chance? C'est Chao! Il est fou, lui! Vous allez bien? C'est un godin, lui! Oh putain, j'ai crevé. Mais ça tient super bien, cette cabane en bois, hein. Michel, il y a eu un goéland qui est tombé dans la truc, c'est pour ça le gros bruit. Allez, au suivant! Venez là, monsieur. Déjà, vous êtes suspect, vous avez 4 roues. On va vérifier ton petit passeport. J'ai quelque chose à vendre. Eh, hey, tu vends quoi? J'achète des cigarettes, du papier toilette. Il a l'air pas très propre, ton papier toilette, cousin, je suis pas sûr. C'est en règle. Oh, c'est tout à fait honnête. Peut-être même trop. Ok, on va faire un test. Je vais te laisser partir. Je vais te mettre une grenade dans le véhicule et on va voir si tu résistes. Allez, tiens, pars. Merde! Ah, il a pas survécu. Ah, c'était un contrebandier, sûr et certain. Bon, bah, suivant, hein. Oh, le camion, frérot, il est immense. Bah, 28 roues, cousin, c'est une chenille ou un camion? Arrête-toi! Oh! Oh, aide!
Oh putain! Tu as tué la vache, mais j'en ai rien à foutre! Michel, viens! Merde, merde, Michel! Allez, je recommence. Alors là, tu crois que je vais te laisser passer, cousin? Jamais tu passes, jamais tu passes. Je me mets en plein milieu, je me mets en plein milieu. Oh le bâtard! À l'aide! Oh le chien! Nous voilà tous les deux. Faut que j'active le truc. Et je me mets derrière le panneau, vite, 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 vite! Grenade! Notre grenade! Non, j'ai tué mon pote! Pourquoi il est là? Michel, bouge d'ici, espèce d'enculé. Je vais pas le répéter 20 fois, Michel! Je vais activer la barrière, comme ça il pourra passer. Et vite, je cours dans la voiture. Comme ça, on peut directement le prendre en chasse. Je démarre le véhicule. Je suis prêt à partir. C'est parti, arrestation! Ok, je vous ai aux traces. Je te perdrai pas de vue, mon copain. Je te perdrai pas de vue, je mets les phares. Viens là, si tu crois que j'ai pas de barrer la route. Non! Je suis tombé du véhicule! Merde. Frère, putain, non! Non! Je suis vraiment un boulet de service! Allume! Attends, tu peux m'attendre ou pas, s'il te plaît? Eh, tu peux m'attendre ou pas? Eh, attends-moi, s'il te plaît! Pitié! Eh, pitié! Pitié! Oh, je t'en conjure! J'en peux plus! Oh, il est là! Putain, j'ai pas complètement perdu, les gars, il est là! Et c'est long, la course quand même, là, non? Ok, ok, j'ai pris l'ascendant! Arrête-toi! Arrête-toi! Oh, il va se prendre la route! Putain, le chien de la casse! Il est en plein milieu de la route, hein! Alors là, c'est bon, là, je le baise! Oh putain, oh le deux roues de baiser. Hop là! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Descendez! Ça c'est pour toutes les fois, j'ai recommencé! Oh ricochet! Et c'est le champ pour nous! Allez, prochaine fois frérot, tu casseras pas les couilles et tu feras contrôler. Allez, on rentre à la base! Bonne journée ça! Frérot! Tu me déranges! Allez. Salut les gens! Ça va ou quoi? Hop là, allez, parfait. Au suivant! On ramène avec votre gros camion de 28 tonnes là, tu prends 3 voies sur l'autoroute. Hop 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 les copains, sur le bas côté. Je vous prends juste 2 secondes pour vous proposer de mettre un pouce bleu et de caler un petit abonnement si la vidéo vous plaît. Et une fois que c'est fait, vous pouvez circuler. Allez, on vient! Et on s'arrête! Merci, vous conduisez bien avec les mains à 10h10, on dirait que vous êtes moniteur d'auto-école. Vous descendez tout de suite du véhicule s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous transportez dans ce gros véhicule là? Très louche. Votre style aussi vestimentaire est louche. Vous avez un menton isocèle, ça aussi c'est louche. Votre menton il fait un triangle comme ça, on pourrait faire Pythagore. Donnez-moi vos documents directement. J'espère vous cacher rien, monsieur. Pour l'instant, tout va pour le mieux. Au niveau de la plaque d'immatriculation, rien à signaler. Vous transportez rien? Vous transportez rien? Un si gros camion pour ça? Pour ne rien transporter. C'est plus que louche. Vous cachez quelque chose, monsieur. Putain, les gars, il a rien. Il a rien de rien. J'aimerais trop l'arrêter. Chier. Qu'est-ce que je pourrais faire pour quand même l'emmerder? On va lui rajouter un petit colis. Allez-y, monsieur. Bonne soirée. Oh putain, loignez-vous! Michel, je te l'avais dit. Oh, on l'a échappé belle. Il avait une grenade dans le coffre. Ouf. Oh merde. Je suis en train de dormir. On a attaqué. Oh les bâtards. Prenez ça dans la gueule. Okay, j'ai rebalancé des grenades. Ça, ils vont se calmer tout de suite, je vous dis. Prenez ça. Ok. Magnifique. Et les gars, on va regarder ce qu'on a aujourd'hui. Nationalité Albarak. Document falsifié, liste de marchandises. On va le vérifier au faciès, lui. Il a vraiment... Oh putain, il y a une poule, je viens de la voir. Il a vraiment une tête de contrebandier, là. Allez, viens de faire mijoter, toi. On se ramène. Hop, hop. Comment ça, il mérite une grenade? Oh, on a même pas vu qui c'était. Putain, le véhicule dégueulasse, quoi. On dirait t'as chié dessus. Donne-moi tes petits papiers, là. 5 bagages, 2 poulets. Nous avons ici, effectivement, 2 poulets. 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, ça ne fait aucun sens que ta gueule. Que vous êtes le bon. Pour l'instant, lui, il m'a l'air vraiment clean. Il m'a l'air vraiment même trop parfait. Je peux rien dire sur ce mec, c'est bon. Laisse-le passer, je peux rien dire. Je peux rien dire, ça m'énerve. Allez, vous pouvez passer, monsieur, bienvenue. Oh, putain, attends. Mais dis pas que c'était un Arakistan. Oh non, putain. Oh putain de merde. Faut que je l'empêche. Arrêtez. Ah non, c'est bon, c'était un vrai, lui. Allez, viens là avec ta maison sur le dos, là, cousin. Allez, on va s'arrêter au milieu, là. On va s'arrêter au milieu. Oh, c'est un gueudin. Oh putain, vite, en voiture. Alors là, si tu crois pouvoir m'arrêter, sache que tu vas finir dans l'arbre. Hop là, direct. Oh, il est mort sur le coup. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de le ramener à la prison, c'est-à-dire que je peux garder tout pour moi. Ah merde, c'est la vraie fièvre. Ah merde, c'est un témoin. Vous savez ce qu'on fait quand il y a un témoin et quand il y a un deuxième témoin qui arrive? Faut faire disparaître les preuves. Toulou, je vais aller pisser, moi. Je vais aller pisser. Putain, mon véhicule. Merde, la voiture. Qu'est-ce qui se passe quand on a plus de voiture?
Putain, fais chier. Ah merde, j'avais plus de véhicule. On va garer ça là. Bon, ça devient notre nouveau véhicule, hein. On est parti, le ciel est beau. Tu peux rentrer, on va être gentil aujourd'hui. On est agréable et tout va bien se passer. Un petit véhicule vert militaire, personnellement je le déteste. Mais bon, tu peux t'arrêter là, y'a pas de souci. Salut, ça va? Tranquille, bien bien, t'as volé les lunettes Harry Potter? Bien bien bien, bouge pas, deux secondes. Bon, je regarde c'est quoi les gens qui sont recherchés. Albarak, liste de marchandises, passeport, plaque matriculation NZG, pare-choc manquant, ok. Fais pas de ma gueule toi avec ta barbe en triangle. On va imaginer que c'est pas lui. Donne-moi tes petits papiers. Tiens, donne-moi ça. Ok. Donc là, normalement, tout devrait correspondre. Merde. Peut-être c'est peut-être le numéro de passeport. Au moins là. Au moins... Ah, y'en a un. Y'en a un qui correspond. Tu transportes rien. Comme par hasard. C'est quoi, t'es allé chercher de la drogue? Je vais examiner ton passeport ici quand même au cas où. On sait jamais. Non mais on sait jamais les gars, faut prendre ses mesures. Donc, le tampon. Allez. C'est quoi toi? T'es quoi? T'es Albarak? Et tu cumules tout toi, tu cumules tout. Toi tu transportes. Moi je vous dis, ce mec là il a de la drogue. Ce mec là il a de la drogue dans le cul. Peut-être dans le véhicule mais sûrement dans le cul. Malheureusement le jeu nous permet pas de... T'as cru que j'allais pas voir, hein? Non mais t'as cru que j'allais pas voir, hein? Bien dissimulé. C'est très bien caché, je te félicite même. Je te félicite. Je te félicite, tu prends une balle dans le pied. Tu prends une balle dans le pied directement frérot. Parce que t'as essayé de me la mettre à l'envers. Et t'as pas honte. De la contrefaçon d'argent. Je vous l'ai dit, et j'ai dit quoi? Dans son cul, il cache un truc. Et bah voilà. Encore de l'argent, putain. Oh, le trafiquant. Allez, tu me suis en prison. Allez, alors là, tu me suis en prison directement. C'est non négociable. C'est un fou, lui. C'est un gueudin, frère. Écoute, tu vas rester là bien longtemps. Et ton véhicule, tu le verras pas. Pourquoi tu le reverras pas, ton véhicule? T'inquiète pas. Ah, j'avais prévenu. Ça, c'est un criminel d'arrêter, les gars. Au suivant, mes copains, on se ramène. On se grouille un petit peu parce que là, après, j'ai apéro avec les copains. Oh, ta voiture, on dirait un dragibus. Allez, tu t'arrêtes au milieu. Ouais, c'est bien rempli, cousin. Ouais, c'est la basse-cour, ta voiture. Salut, bonjour. Ok, tu te mets sur le bas-côté. La DR Force, typique. Tu me donnes ton petit document. Cache un truc. Pour l'instant, t'as juste de la chance que ça corresponde. Mais c'est qu'une question de chance. 4 détergents, 2 poulets, 2 bagages. Eh putain, t'as emporté toute ta maison ou quoi, frère? Ok, je valide. Hop, 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 hop. Tu vas te calmer! Tu vas te prendre mon temps, frère. Ah, c'est dégueulasse en intérieur. Pour l'instant, oh, ça va. Donc là, t'as mis des poulets en mode. Tu t'es dit, vas-y, c'est au calme. Ici, tout va bien. Alors, j'ai un test pour savoir si c'est des vrais poulets au défaut. Je l'avais même pas vu. Il a failli passer sous les mailles du filet. Oh putain. Oh l'alcoolique. Aucun rapport. Je disais, j'ai une technique pour vérifier si c'est des vrais poulets ou pas. Hop là. Devinez qui a résisté. Putain la honte. Michel, tu veux fumer ou pas? Putain, il a pas honte. Monsieur, vous avez pas honte? Eh bah deuxième en prison. Non mais dis donc, la prison s'agrandit. Man, maya madre planitska ruskaya. J'ai entendu quoi là? Un plan d'évasion? Vous voulez faire un trou dans le mur? Je vais en faire un moi, deux trous dans le mur. Voilà. Ah non, ça a même pas fait de trou. Putain, ça a tué le mec qui voulait pas s'évader. C'est dingue ça la vie en vrai. Bon bah toi tu vas rester là. Michel, tu peux débarrasser. Regardez, le criminel a été arrêté, 70$. Vous savez, je fais mon travail et je gagne de l'argent comme ça. Suivant. Oh là 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 là, putain c'est quoi ça frérot? Tu kidnappes des enfants ou quoi avec ton van? Arrête-toi! Voilà, si je trouve des cartes V-Bucks, je serais pas étonné. Par contre, faudra nettoyer ton véhicule, il est dégueulasse, frère. T'as chié dessus partout ou quoi? Bon, donne-moi tes papiers. Je reste un peu loin parce que. Tu sens de baiser, frérot. Pourquoi ses papiers sont en bleu, lui? Oh là là! Est-ce que son passeport, il est valide au moins? Oh! Le passeport qui est pas valide? Je savais que j'avais jamais vu ce logo. T'as combien de trucs, frère? Engrais, caisse à fromage, cuisinière, baril de pétrole, toilette. Oui! Oh, dinguerie! On dirait vraiment un mec qui vient de tuer quelqu'un et qui prend tout ce qu'il a besoin pour revivre. On va vérifier tout ça, on va vérifier tout ça, bouge pas. Prends des petites chiottes pour chier n'importe où, ça c'est pratique. Monsieur, vous me promettez, vous êtes légal, hein? Oui, t'inquiète, frérot. Non, toi t'es pas légal, ce soit ta tête, t'es pas légal, frère. Non, toi t'es pas légal, toi. Lui va me kidnapper, lui, je le sens mal. Ok, on passe. Wesh! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Va te faire foutre! Détruisez la cargaison! Oh putain, le chien de la casse! Il a ramené ses collègues! Oh, je le savais! Oh le bâtard! Oh le chien de la casse!
Mon enfoiré, retournez chez vous. Oh, la grenade. Let's go. Le camp, les gars, le camp est sauvé. Il avait quoi dans ces conneries? Dans les chiottes, je suis sûr, il y avait des trucs. Mais frère, il y avait rien en plus. Non, mais le pire, c'est qu'il cachait rien. Bon, bah, débarrasse-moi de plancher, champion. Hein. Pff, excusez-moi, c'est vrai que j'ai paniqué. J'ai vu une bande assaillir, j'ai fait exploser le véhicule. Mais bon, j'ai paniqué, les gars, je savais plus quoi faire. Allez, on a bien mérité une bonne petite nuit de sommeil. Allez, vous êtes le dernier de la journée. Un véhicule bleu dégueulasse. Sauf! Reviens là! Oh l'enculé! Vite, démarre! De l'équipe 23, j'ai un traction 2, poursuivre le fugitif. Il est parti au niveau de la direction sud-ouest. Je suis toujours au niveau de cette race. Monsieur, arrêtez-vous tout de suite! Monsieur! Notre véhicule est dégueulasse en plus! Vous avez pas honte de rouler avec ça? Ok, je vais lui couper la route. Ok, je lui coupe la route! Redirection vers les roches! C'est lui qui a failli me baiser! Vous êtes un fou, monsieur! Monsieur! Restez là où vous êtes! Faites plus un pas! Refus d'obtempérer. Et vous, vous avez une vache. J'aime beaucoup votre vache. Donnez-moi ça. Monsieur, exceptionnellement aujourd'hui, vous serez en présence d'un avocat commis d'office, Marguerite. Je vous laisse descendre du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Marguerite, t'as un truc à dire pour le défendre? Non? Bah, attendez, bougez pas, je vais fouiller le véhicule. Des chiottes? Il a fait une course poursuite pour des chiottes? Ok, on va ramener ça, ce véhicule de la Zamia à la base pour pouvoir vérifier l'intérieur. Juste au niveau de l'avocat pour éviter qu'il puisse défendre le client. Parfait. Hop, ça c'est réglé. On m'emmerdera pas au tribunal celui-là. Avocat de con. Wesh, elle bombarde sa voiture, hein. La vie de mère, elle bombarde de baiser sa voiture. Wesh, j'allais dans le décor, frère, mais elle dérape de fou malade. Oh là là. Oh putain de merde. Oh là là, c'est incontrôlable. Ok, on s'arrête, monsieur. Le mec a cru que c'était le dealer. Est-ce que du coup je peux venir? Voilà, je vais pouvoir venir inspecter tout ça. Je vais pouvoir également venir récupérer ça. Et on va pouvoir vérifier il y a quoi dans ces chiottes. Oh, toute la drogue. Oh putain. Et dans les chiottes, il y a quoi? Il y a rien dans les chiottes. Mais pourquoi ils transportent des chiottes? Bah, je vais aller lui demander. Ok, on prend la voiture, les gars, j'y vais. Je vais lui demander tout ça. C'est parti, les gars, on va lui demander tout ça. De retour! En tout cas, je te remercie parce que, quand même, je t'ai laissé dans la voiture avec le contact et je t'ai pas barré. Par contre, j'ai une question à te poser. Tu fous quoi avec des chiottes? Oh, t'avais besoin de chier dans la forêt? Pourquoi il y en a deux? Bon, eh ben écoute, on rentre. Ah oui, t'aimes bien ton véhicule ou pas? Tu veux le garder? Ouais, bien ce que je me disais. Oh putain! Il a fait exploser ma bagnole. 15 000 balles, je l'ai payé. Ma décapotable. Alors là, toi, ta bagnole de fils de pute. Ta bagnole de merde. Et je rentre comment, moi, maintenant? J'ai une idée. Ça te dérange pas de me laisser ton véhicule? Vous voyez, on peut rigoler. Et les amis, franchement, sans grenade, comment on s'amuserait pas? Merci beaucoup, les gars. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Des gros bisous. Rejoignez le Discord. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles conneries. Voilà.